Ce long chemin d'acier qui ne connaît pas le hasard mais la seule précision des heures et des minutes est devenu en un siècle et demi ce lien nerveux, ce lien vital entre les paysages et les travaux qui composent la France. Pour lui faire sa place désormais familière le long des rives et des plaines, à proximité des chemins d'autrefois et les coteaux où se blottissent nos villages, il a fallu, comme pour les labours, tracer d'abord le sillon. Avec de telles charrues, le sillon aujourd'hui est vite creusé. Les travaux de Pharaon demandent quelques semaines. Dans ce chemin rigoureux, l'acier encore souple bientôt ne bougera plus. Là où naguère les poseurs de rails portaient à la force des bras chaque tronçon, aujourd'hui les hommes font travailler ces usines roulantes, merveilles de force et de précision, dont les bras vont jusqu'à répartir et bourrer le ballast. Il ne reste plus qu'à poser les caténaires, la route aérienne de l'énergie. Avec elle, la SNCF a démontré qu'elle se passe de pétrole et démontré autre chose encore, si le rail assure 20% de l'ensemble des transports du pays, il ne consomme que 6% de l'énergie nécessaire à ces mêmes transports. Sur le paysage ferroviaire, le temps a dissipé les panaches blancs et noirs de la vapeur. Avec ces locomotives modernes, l'électricité ou le moteur diesel ont donné à nos trains de nouvelles figures de proue. Dans le deuxième âge du rail, ce n'est pas seulement leur profil qui change, c'est tout un nouveau rythme qui fait battre le réseau, avec une nouvelle façon de rouler pour le train de voyageurs comme pour le train de marchandises. Pour expédier 200 millions de tonnes de marchandises par an, où que ce soit dans l'Hexagone, 170 000 wagons de la SNCF tournent en permanence. Il y en a 40 types différents, car il n'est rien que le chemin de fer ne transporte. Des céréales aux minerais, des poussins vivants à la fonte en fusion, et des légumes frais au réfrigérateur qui les garderont. Jour et nuit, la mémoire de l'informatique fait l'inventaire de cette corne d'abondance pour que chaque cargaison, plus vite ou plus lentement, selon sa nature, soit aiguillée vers sa destination. 24, 24, 20. Il ne suffit pas de faire rouler, il faut constamment trier. L'ordinateur, guidé par quelques hommes à leur pupitre, calcule la vitesse, impose le freinage,
commande l'arrêt de ces wagons qui ont l'air d'aller seuls et ne se trompent jamais. La 25, on peut aller t'accoster si tu la prends. Bon, allez, donne-moi là. Donne-moi là. Moi, je te donne la 25, d'accord. On met la 26 en place. Oui. Fernand, tu mettras la 26 en place. On a mis la 25 en place. Quand tu seras prêt, là, tu peux retirer la 24, là. Tu peux en direction de la 12 pour la plier. La 2, oui la 2, bonne abuté, oui d'accord. Le moment vient où sont accrochés ensemble les wagons de la même destination pour la dernière étape du voyage. Il existe bien sûr des trains qui arriveront à destination telle qu'on les a donnés au départ. Mais pour les autres, il n'y a pas vraiment de rupture dans les chemins de porte à porte, même s'il faut passer le relais entre le rail et la route, entre le rail et la mer. Rien de plus maniable désormais, ni plus rationnel que l'énorme conteneur. Et si le wagon transporte le camion, il arrive au camion de lui rendre le même service. Mais c'est avec le voyageur que le chemin de fer est entré dans l'histoire. Mesure-t-on le changement que lui doit la société dont il est le serviteur? Ici, le confort, c'est d'oublier qu'on roule, même si la fenêtre de ce logis temporaire encadre des paysages qui passent. Le confort, c'est de dormir et de dîner, comme ailleurs, mieux parfois, un peu en dehors du temps. Confort, c'est aussi sans doute le calme de la sécurité. Sur ce chemin d'acier, la vitesse ne tue pas. Millions de voyageurs par an, cela crée des obligations à chaque instant. Tout le dispositif est en place dans ces énormes antichambres de nos villes que sont les gares,
où se côtoient voyageurs au long cours et voyageurs quotidiens qui commencent et finissent dans un train la journée de travail. Ils sont 433 millions par an sur les seules lignes de la banlieue parisienne. Ce dispositif entre en action à la seconde où le train va s'ébranler. 75-27, départ à 5. 75-27 à 5. 75-28, départ à 10. 75-28, départ à 10. 68-47 à 22 au 6. Préval. Préval. 33-37-36. La machine roulante, à partir de là, n'est jamais seule un instant, jamais quittée des yeux, ni de près, ni de loin. La vigilance et l'exactitude, voilà les rails invisibles de la SNCF. Oui, à l'ouverture, 45-470, il n'y a pas pour longtemps, il y a le 23 qui descend, banalisation, et vous partez à l'ouverture, voie normale. Pourquoi ? Attends. Est-il étonnant qu'une telle conjonction d'efforts et de technicité débouche périodiquement sur un chef-d'œuvre qui porte sur lui sa beauté? Train à grande vitesse dont les initiales TGV sont entrées dans le langage courant, exige un chemin tracé au cordeau, une ligne pour lui seul, à l'écart des autres voies. Elles étaient avant lui saturées quelquefois par plus de 250 convois quotidiens. Désormais, sur la ligne droite ou la courbe allongée, le TGV franchit nos plaines, enjambe nos rivières, pour joindre nos villes à des vitesses proches de 300 km par heure. Pour être un aboutissement, le TGV n'est pas une conclusion. Il ne représente qu'une étape de plus dans la vie du chemin de fer. Dans le progrès nécessairement continu d'un serviteur dont la nature même est de ne prendre jamais de repos.